fait beaucoup de chaleur que vous m'avez donnée en vous accueillant. Donc je profite un petit peu de ces applaudissements et de cette bonne énergie qu'il y a à chaque fois lors de cette traditionnelle cérémonie des vœux à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Chaque fois un plaisir, pourquoi ? Ben, tout simplement parce que je crois que nous avons su construire ensemble ce lien qui est finalement permanent. Et nous avons su ensemble donner toute la bonne, toute la belle énergie pour que notre ville soit chaque jour plus belle. Alors, pour faire court, vous savez que cette cérémonie des vœux s'inscrit dans un contexte particulier de réserve qui est lié à la prochaine échéance municipale et que donc, on va faire dans la simplicité, mais finalement, c'est souvent dans la simplicité que nous trouvons les meilleurs mots, les meilleurs moyens de faire passer les meilleurs messages. Alors, j'aimerais que puissent me rejoindre, car ils étaient à mes côtés pour vous accueillir, nos traditions locales. Mireille est la présidente de cette association qui fait vivre nos traditions à Port-Saint-Louis-du-Rhône, qui est, vous le savez tous et toutes, profondément ancrée et attachée à son territoire. Et porter le costume, ça a du sens pour nous. Et je les remercie d'avoir à chaque fois l'attention de nous accompagner et de magnifier ces moments. Et parce que cette cérémonie de vœux est vraiment placée sous la volonté de pouvoir mettre en avant cette communion entre ceux qui font la ville au quotidien, c'est-à-dire vous, et ceux qui ont, de par leur engagement, tous les jours, cette nécessité de faire mieux pour vous, c'est-à-dire l'ensemble des membres du conseil municipal que je vous demande d'accueillir sous vos chaleureux applaudissements. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais le premier adjoint a eu un petit message amical. Il avait juste oublié que le micro était ouvert. Merci à tous, merci à toutes, chers élus. Essayez de compléter pour que nous puissions vous rapprocher, vous, voilà, que nous ayons tous et toutes à profiter de ce moment qui est finalement un moment important, ce moment où nous avons besoin de vous exprimer avec toute la sincérité tous les meilleurs vœux que nous nous souhaitons toutes et tous, que nous vous souhaitons à toutes et à tous. Ces vœux remplis de santé, remplis de bonheur, remplis de succès aussi, remplis de succès pour notre ville. Et avant de commencer, vous savez, il est d'usage d'avoir ce temps protocolaire où on remercie toutes les personnalités qui sont venues rendre hommage à cette ville. Mais aujourd'hui, j'ai juste envie de vous dire qu'il n'y a pas une personne qui est plus importante que l'autre dans cette salle. Il y a l'ensemble des Port-Saint-Louisiens qui viennent chaque jour témoigner l'amour qu'ils ont pour leur ville et puis ceux qui viennent de l'extérieur communier avec nous. Donc je vais remercier tout le monde de la même manière et vous remercier vraiment du fond du cœur de l'attention que vous menez et que vous portez à chaque fois à notre ville, à cette cérémonie des vœux. Merci beaucoup et je demande à mon conseil municipal de vous applaudir. Il est une journée particulière aujourd'hui parce qu'elle a démarré avec un agenda particulièrement rempli. Le préfet de région nous a rendu visite cet après-midi pour un événement important puisque le 1er janvier, notre maison des services au public a été labellisée Maison France Service, ce qui est le témoignage finalement et la reconnaissance du travail que nous avons conduit avec cette équipe municipale, avec ce conseil municipal, pour faire que les services publics soient au rendez-vous à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et quand je vous dis que c'est un événement particulier, le préfet de région a souhaité faire un événement dans cette labellisation aujourd'hui, parce qu'il n'y a que 4 maisons des services au public qui ont été transformées en Maison France Service, 4 dans l'ensemble du département, et la seule qui l'a été et qui est sous un fonctionnement communal, c'est-à-dire sous un choix des élus du conseil municipal,
c'est pour Saint-Louis-du-Rhône. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que ça prend du temps aussi de pouvoir montrer, démontrer à l'extérieur combien nous travaillons au quotidien pour que ne fuient pas les services de proximité et qu'au contraire, nous nous investissions pour que chaque administré port-saint-louisien puisse bénéficier du mieux-être à Port-Saint-Louis-du-Rhône. L'année 2019 a été remplie pour tous et toutes de joie, de peine. C'est comme ça, c'est la vie. Et ici, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, nous avons surtout envie de prendre le temps de remercier ceux qui s'engagent au quotidien pour notre sécurité, pour notre bien-être. Et j'aimerais que nous ayons une pensée toute particulière pour les services de secours, pour nos pompiers, pour nos agents de la SNSM, pour toutes celles et ceux qui, engagés au service des autres, ont fait des sacrifices de leur quotidien. Et je remercie d'être ce soir présent parmi nous l'ensemble des représentants de ces corps qui sont liés au secours, aux forces de secours et d'assistance. Donc merci d'applaudir celles et ceux qui font que nous soyons en sécurité. Merci aussi d'accorder le temps de remercier les agents de la police municipale et les agents de la gendarmerie. Remercier aussi l'ensemble de celles et ceux qui font de leur quotidien un engagement au service des autres. Prends pour exemple ce qui se passe ce soir. Rien ne serait possible sans l'engagement des services municipaux, ces services municipaux que j'ai envie de mettre à l'honneur plus que tout pour les remercier d'avoir tout au long de l'année rempli ces missions de proximité qui caractérisent le service public à Port-Saint-Louis-du-Rhône, c'est-à-dire un service public avec une dimension humaine. Soyons fiers de nos agents, de l'ensemble des agents de la collectivité et ovationnons-les. Applaudissements. 2019 aura vu la continuité des projets engagés et beaucoup d'entre eux vont trouver finalement leur finalité en 2020. Au cours de cette année 2020, nous verrons donc tous ces chantiers engagés pour améliorer l'attractivité de notre ville, pour donner un sens finalement au cap que nous avons voulu donner à Port-Saint-Louis-du-Rhône, c'est-à-dire pouvoir offrir un maximum de services à nos administrés pour rendre notre ville attractive, pour construire ici des solidarités, pour construire ici des services de proximité, pour construire ici ce bien-être nécessaire à ce que Port-Saint-Louis-du-Rhône puisse être ancré sur son territoire. Vous le savez, il n'est jamais évident de pouvoir conduire autant de projets. Il est encore moins évident, et tout le long de l'année 2019, nous l'avons vu, de pouvoir donner cette énergie pour suivre tous les dossiers. Et là, très honnêtement, je me retourne vers mes collègues du conseil municipal pour leur dire combien je suis fier d'être le maire de cette ville, combien je suis très fier d'avoir pu, à leur côté tout au long de cette année, continuer cette mission au service de chacun d'entre vous. Bravo mesdames, bravo messieurs, on peut être fier du travail que vous accomplissez au quotidien. En tout cas, moi je suis votre premier fan. Rien ne se fait seul. Nous le savons plus qu'ailleurs. Ici, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, nous avons la nécessité de faire mieux. Pourquoi faire mieux? Ben évidemment, beaucoup disent qu'on souffre de cet éloignement géographique, donc du coup, il faut que l'on déborde d'énergie, d'ingéniosité, pour inventer la manière où nous devons mieux vivre ensemble. Mais au final, de par mes fonctions métropolitaines, de par mes visites en extérieur, je crois que nous n'avons vraiment pas à rougir de tout ce qui est mené ici, dans cette ville au quotidien. Et cette année 2019 a été particulièrement riche. Chacun et chacune a pu voir, a pu constater combien les succès ont été nombreux, qu'ils soient sportifs, avec des exploits et des mérites conséquents, qu'ils soient économiques, avec le début et l'ambition de nombreux projets, l'accomplissement et la finalisation de l'aménagement de nombreuses zones d'activité, je pense notamment à Distriport. Tous ces accomplissements sont le quotidien de chacun. Et je crois que ce climat que nous avons réussi à instaurer en 2019, ce climat de communion et de volonté de donner le meilleur de chacun, le meilleur de nous-mêmes, pour faire que Port-Saint-Louis-du-Rhône
rayonne est vraiment un accomplissement. Un accomplissement parce que, encore plus que les années précédentes, nous avons pu mesurer combien la reconnaissance venue de l'extérieur, combien la sérénité à l'intérieur de la vie que nous menons au quotidien s'est installée. Des solidarités se sont inscrites, de nombreuses conventions ont été menées, ont été signées avec un grand nombre de structures, d'associations, de services publics. Je veux notamment en remercier toutes les structures avec qui nous menons des partenariats pour raccrocher nos populations, pour les raccrocher à la vie courante, à la vie quotidienne, parce que tout évolue. Vous le savez, je suis celui qui croit que la nécessité de ne pas sombrer dans cette fracture numérique est, au-delà d'être une nécessité, est un devoir pour les élus que nous sommes. Et on a été reliés à la fibre. Ouais. Ça ne marche pas tout à fait bien encore, hein, soyons honnêtes. En tout cas, moi, chez moi, ça marche bien. Bon, sauf quand ils viennent brancher les voisins, parce que j'ai compris, en fait, ils me débranchent. Je crois que tout le monde connaît le problème. Mais oui, enfin, pour Saint-Luc-du-Rhône est raccordé à ce qui est ce service numérique à haut débit. Et j'ai souhaité, et nous avons souhaité, renforcer cette année tous les ateliers liés pour accompagner nos seniors, pour accompagner ceux qui en ont besoin à la maîtrise de ces outils informatiques pour rester connectés avec notre quotidien. La dématérialisation informatique existe de partout. Et avec la Maison France Service, nous avons pu aussi signer une convention avec la Direction régionale des finances publiques pour pouvoir avoir des permanences liées aux impôts. Et même si ça ne paraît pas évident, vous avez tous et toutes été confrontés à des difficultés face à ces déclarations. Je parle des impôts et nous pourrions parler de tout un tas d'autres choses. Et j'insiste combien nous avons réussi, au travers de tous ces ateliers numériques que nous avons pu mener, à renforcer ce lien nécessaire dans ce défi de la numérisation des informations. Il y a un sujet aussi qui n'est pas anodin et qui a tout au long de l'année 2019 forgé des convictions, ou en tout cas amené de nombreuses discussions, c'est la finalisation de se dire de ce que nous pourrons faire demain, comment nous serons pris en charge lorsque la vie avance et que nous entrons dans l'indépendance, et 2019 aura été porteur d'excellentes nouvelles en la matière, puisque le permis de construire du nouvel établissement maison de retraite, du nouvel EHPAD est sur de bons rails, les choses vont se faire, vont se réaliser, et 2020 verra l'année où le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône pourra signer ce permis et offrir ainsi à la population un tout nouvel équipement qui répondra justement aux attentes de cette population qui finalement rentre de plus en plus âgée dans cette période de dépendance. Mais quand elle y rentre, les familles ont cruellement besoin d'être accompagnées parce que les dépendances sont lourdes et les dépendances sont fortes, et que cet établissement pourra comprendre 24 places en unité spécialisée et qui pourront prendre en charge les personnes qui souffrent de ces maladies qui sont cruellement pénibles pour les familles, et j'en suis très heureux. Merci donc à celles et ceux qui ont contribué à ce travail, parce qu'il est important de savoir aussi que lorsque nous allons avancer dans l'âge, nous serons pris en charge, tout comme il est important aussi de mesurer combien, une fois de plus, la direction Famille et Citoyenneté a conduit sur le secteur de l'enfance, de la petite enfance et de la jeunesse sa mission au plus haut point, avec une réussite pleine et entière de toutes nos animations et festivals qui ont été liés à la jeunesse, et avec, vous le savez très bien, toujours cette mise en avant du service public qui est celui de la crèche municipale, qui rencontre un succès toujours étourdissant. Et je félicite encore une fois de plus celles et ceux qui ont travaillé au quotidien à ces succès. Moi, oui, merci, vous pouvez les applaudir. Moi, je crois que j'ai résumé finalement profondément ce qu'il est important de prendre en compte quand on est là, actif, jeune actif, en tout cas dans la vie, savoir prendre soin des plus âgés, parce que nous avons besoin de préserver nos aînés et nous avons aussi besoin de nous projeter, nous le saurons tous et toutes un jour, mais aussi avoir l'attention nécessaire pour que, dès le plus jeune âge, nous favorisions l'engagement
de nos jeunes et à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Je dois reconnaître aussi que cette jeunesse s'émancipe de plus en plus tôt et s'engage de plus en plus tôt. Et il y a parmi nous de nombreux jeunes qui se sont employés, qui se sont engagés, notamment dans le Conseil municipal des jeunes, puisque nous avons des anciens et des nouveaux représentants de ce Conseil départemental des jeunes. Pardon. Et nous avons surtout une dynamique constante. Et 2019 a montré et démontré combien avec le collège, combien avec le lycée, combien avec l'ensemble des écoles et du milieu éducatif, nous avons mené des projets qui ont conduit à une véritable réussite sur la mobilisation de notre jeunesse. Soyons fiers de ça, restons convaincus que c'est comme ça qu'il faut conduire lorsque nous sommes en action, lorsque nous sommes en activité, nos politiques publiques. Et enfin, parce que c'est important aussi, soyons fiers de ce que nous faisons de notre quotidien, c'est-à-dire soyons fiers aussi de la dynamique que nous avons fait prendre à notre ville dans ce territoire qui est le territoire métropolitain, parce que Port-Saint-Louis-du-Rhône a trouvé sa place. Port-Saint-Louis-du-Rhône a non seulement trouvé sa place parce qu'elle est connue et reconnue, pour tout ce qui peut apparaître intéressant, comme dynamique foncière, comme dynamique en termes de projet, mais elle est aussi reconnue parce que nous savons être et au final, finalement, c'est notre ADN, nous, Port-Saint-Louisiens, les rois de l'accueil, les rois du bien-vivre. Et ça, quand les gens viennent le chercher chez nous, c'est important. Regardez, prenez par exemple ce qui se passe sur le territoire avec l'avènement de la croisière fluviale. La croisière fluviale est en train de s'installer petit à petit sur le territoire de Port-Saint-Louis-du-Rhône. C'est quelque chose qui s'ouvre à nous. C'est quelque chose qui est là et qui va démarrer. Pourquoi ? Pas non seulement par le fruit du travail des nombreuses équipes municipales, de l'Office du tourisme, par exemple, ou en tout cas des collectivités qui accompagnent son développement au quotidien. Et je veux remercier la présidente du département et de la métropole d'avoir mis en œuvre un syndicat mixte totalement dédié à cette problématique, mais aussi parce que nous avons des acteurs économiques, je pense notamment à nos conchyliculteurs, qui s'y emploient pleinement. Et je veux vraiment prendre le temps de remercier celles et ceux qui, au travers de la valorisation de leur métier, au travers de la valorisation de leurs produits, ont compris, ont eu l'audace de comprendre qu'il fallait en permanence être acteur de son territoire pour pouvoir transmettre. Donc merci à toutes celles et ceux qui s'engagent dans cette voie de faire que notre ville continue à rayonner sur ce territoire. Merci aussi, et là, je le dis avec une forme d'affection, une forme de sincérité à peine dévoilée, à celles et ceux qui, au quotidien, nous transmettent cette chaleur, nous transmettent cette volonté de continuer. Je veux vous dire combien 2019 aura encore une fois de plus inscrit notre volonté de travailler avec et pour les Port-Saint-Louisiens. Vous savez, on a inscrit, je crois, définitivement dans la carte des festivités ce côté qui est lié à l'animation estivale et cette manière de mettre en exergue notre port de plaisance et construire un lieu de vie, un lieu de rendez-vous. Et ce lieu de vie et ce lieu de rendez-vous que constituent ces rendez-vous permanents que nous faisons sur le port à l'occasion des soirées du port côté doc constituent vraiment le cœur estival où nous rencontrons l'ensemble des Port-Saint-Louisiens. Et celles et ceux que je veux remercier avec chaleur, c'est chacune et chacun d'entre vous. Car vous n'imaginez pas combien, au travers de votre investissement dans ces initiatives-là, vous faites vivre la ville. Et combien vous donnez de la motivation à ceux qui s'y engagent au quotidien pour la faire vivre. Parce que construire des initiatives, ce n'est pas évident. Et là, je veux parler de toute cette armée de bénévoles qui ne cesse jamais de baisser les bras, mais qui, au quotidien, constate avec un petit peu désespérance que les bras manquent. Mais vous, si vous continuez à vous mobiliser, si vous continuez à fréquenter les nombreuses initiatives, les multiples initiatives qu'il y a à Port-Saint-Louis-du-Rhône, vous continuerez à leur donner de l'énergie et vous continuerez à vous intéresser à votre vie. Jean-Paul Gay pourrait vous en parler, trouver des bénévoles pour faire vivre un festival tel que celui qui conduit ce festival de la Camargue et du Delta du Rhône, qui est vraiment une vitrine pour notre territoire. C'est un quotidien qui nécessite de rencontrer des gens et de mobiliser le comité des fêtes, comme les nombreuses associations qui multiplient d'ingéniosité pour faire que notre ville soit plus belle, soit plus animée aussi. Je les associe à ces remerciements chaleureux qui voient la vie associative être
un impératif, une nécessité. Et voilà pourquoi nous l'accompagnons au quotidien. Je veux faire un petit clin d'œil particulier à nos amis les mosquitos. Oui, pourquoi ? Il y a finalement des moments où il est important de noter combien dans l'investissement immédiat certaines associations ont pris le pas et se sont investies sur tous les pans de la ville. Alors, mes amis les motards, non seulement merci pour la belle animation que vous faites, mais surtout merci pour vous associer à des temps importants pour la ville. Le carnaval, aller voir nos anciens s'occuper de notre jeunesse, transmettre cette soirée Halloween avec les jeunes, vous êtes simplement formidables et je voulais prendre le temps de vous le dire. Et on peut vous applaudir. Tout comme finalement, on peut applaudir aussi l'ensemble des associations qui, au quotidien, portent l'énergie de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et là, vraiment, réservez-leur un tonnerre d'applaudissements, les associations de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Vous savez, les amis, je prends le temps de vous regarder parce que... Eh bien, c'est particulier. On ne peut pas trop parler. Il y a des choses que l'on voudrait dire et que, pour être correct, on ne peut pas dévoiler. Mais vraiment, je crois que, ici, comme là, il y a une sorte de belle énergie qui me fait être serein et être fier parce que, finalement, je suis convaincu que l'année 2020 sera l'année de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Je ne sais pas pourquoi, quelque chose me dit que 2020, dans la continuité de ce qui s'est passé en 2019, sera encore une année pleinement réussie. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite à Port-Saint-Louis-du-Rhône, réussir. Réussir. Alors, mes amis, encore une fois, je veux vous dire tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui s'ouvre à nous. La santé, le bonheur, le succès, la réussite. Et parce que c'est dans les yeux que vous donnez le regard et la beauté pour votre ville, je voudrais dire qu'avec un cœur gros comme ça, faites briller vos yeux et illuminez chaque fois Port-Saint-Louis-du-Rhône quand vous en parlez. Car finalement, c'est vous qui rendez notre ville plus belle. Voilà pourquoi, plus belle ma ville. Alors c'est en buvant un coup, en prenant le temps d'être ensemble, en prenant le temps de partager, que ce soir, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, nous allons partager nos vœux. Alors Didier, monte le son et laissez-nous profiter de cette assemblée. Merci à toutes et à tous. De mieux. Soyez fiers de vous. Vous êtes Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et demain, et toutes, vous savez, c'est la tradition. Il y a une seule personne que je ne peux pas ne pas saluer. Et cette année, je vais la faire monter sur scène. C'est mon petit plaisir. Ma belle-mère! Et ma belle-mère! Elle est arrivienne. Elle adore Port-Saint-Louis-du-Rhône. Pourquoi ? Parce que vous êtes formidable, allez.